تلاميذ السنة البكالوريا العلمية خيار فرنسية، وكذلك بالنسبة لخيار عربية ممكن غادي يستفدون إن شاء الله من هاد لا سيري دو فيديو اللي غادي تكون مخصصة إن شاء الله في هاد السنة اون فيغ اميزيغ افيك لو بروغرام. دونك دي زيكزيرسيس concernant chaque chapitre. Donc, la première série de vidéos, on va la commencer pour le chapitre suivi temporel des transformations chimiques, ou bien ce qu'on appelle la cinétique chimique. D'ailleurs, le deuxième chapitre en chimie, ou le chapitre le plus important fait des deux chapitres. Donc, le chapitre a pour objectif, normalement, c'est de suivre une réaction. C'est-à-dire quoi suivre une réaction? C'est-à-dire d'arriver à la fin de calculer la vitesse de cette réaction. Donc, pour arriver à cet objectif, qu'il y a des questions qui m'aident à la question objectif, le calcul de la vitesse de la réaction. شنو هما هاد لي كيستيون لي كيمهدو؟ هما بطبيعة الحال تمكن منهم، اللي هما ليكواسيون دو رياكسيون، خصك تعرف تكتب ليكواسيون دو رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون، بوي لو تابلو دافونسمون، خصك تعرف دير لو تابلو دافونسمون، بوي لو كالكيل دو لافونسمون ماكسيمال اي لا ديتيرميناسيون دو رياكتيف ليميتون. دونك هادو سون دي كومبيتونس لي كانوا في لاني ديرنيير، مي بطبيعة الحال كنديروا لهم ريبيتيسيون في هاد لاني ان شاء الله، مع لان مع الاعزاء ديالكم راه كيعاودوا يديروا هاد لي زيكواسيون دوكسيد ريدكسيون لو تابلو دافونسمون اكسيتيرا. من بعد كيجي واحد لا كيستيون كنربطوا فيه لافونسمون دو لا رياكسيون مع الكروندور ميزيرابل، لان في هاد لي تيب ديال سويفي سوا اون سوي لا رياكسيون par la mesure d'une grandeur physique, soit comme volume d'un gaz, pression d'un gaz, la conductance, etc. Donc avant d'arriver à la vitesse, qui est le bon déroule de la relation entre l'avancement de la réaction et la grandeur mesurable. Puis, à la fin, la vitesse de la réaction, et aussi on peut calculer aussi le temps de demi-réaction, T1 demi. Voilà, هذا هو لوبجيكتيف جينيرال ديال هاد لو شابيتر، سي دو سويفر رياكسيون، سي دادير اريفي ا كالكيلي سا فيتاس، و بو دير اوسي دو كالكيلي لو طون دو دومي رياكسيون. دونك اون فا كومونسي بار ليكزيرسيس نيميرو 1. دونك اون فا لير لي نونسي. دونك دون ان بيشير كونتونون في ان فوليم فيغا 60 مللتر داسيد كلوريديك H3O+ بلس سي ان موان دو كونسنتراسيون 5 مول بار لتر. On introduit une masse M égale 1 g de magnésium métallique et on observe un dégagement gazeux de l'hydrogène H2 de plus en plus prononcé jusqu'à la disparition complète du magnésium. Bon, le fait qu'on a ici une disparition complète du magnésium, ça veut dire que notre réaction est une réaction totale. Donc, je n'ai pas une réaction totale. Une réaction totale, c'est une réaction où à la fin, on a une disparition de l'un des réactifs. Au minimum, l'un des réactifs. Il peut avoir disparition de deux réactifs, etc. Mais au minimum, c'est qu'on a un réactif limitant pour dire que cette réaction est totale. Donc, puisqu'on a une disparition du magnésium à la fin, complète, donc on peut dire que notre réaction est totale. On mesure à intervalle de temps régulier le volume dégagé de l'hydrogène H2. Donc, voici un tableau de mesure qui contient les valeurs du volume d'hydrogène dégagé à des instants différents. Voilà, on a la mesure d'une grandeur physique, qui est le volume d'un gaz. Et dans tout cas, les questions, alors j'ai comme les questions liées le volume ou la grandeur mesurable avec l'avancement de l'action. Donc, on a les questions. La réaction d'oxydoréduction mise en présence les couples Mg2+Mg et H3+H2. Première question, écrire l'équation de la réaction entre le magnésium et l'ion oxonium. Donc, la question, il y a l'équation de la réaction. C'est-à-dire, c'est comme tu as l'équation de la réaction d'oxydoréduction.
Deuxième question, compléter le tableau précédent avec l'avancement x de la réaction. Donc, à le tableau, on les valeurs du volume des gaz dégagés à des instants différents. On a des valeurs de l'avancement dans ces instants aussi. Donc, on a une troisième ligne, qui a les valeurs de l'avancement à chaque instant. Donc, on a avec la méthode, on va lier, bien relier l'avancement avec la grandeur mesurable, qui est le volume du gaz dégagé. Donc, on a une chose. Troisième question, tracer la courbe x de t en fonction du temps. Et là, ça a obtenu la question de l'année, parce que vous l'avez dit, ça a obtenu la question de telle. Quatrième question, mesurer l'avancement final x final et montrer que la réaction est totale. Voyez ici qu'il nous demande de montrer que la réaction est totale. On a dit qu'on peut la montrer facilement en utilisant cette phrase. Puisqu'on a une disparition complète des magnésiums à la fin de la réaction, donc alors on peut dire que notre réaction est totale. Mais dans cette question, il nous a demandé de démontrer que la réaction est totale en mesurant l'avancement final x final. Donc là, on va aborder la méthode qui consiste à comparer l'avancement final expérimental, c'est-à-dire à partir d'une mesure expérimentale, avec l'avancement final théorique. Donc, on va voir ça, la correction. On va voir de la méthode. Cinquième question. Ça, c'est l'objectif de la plupart des exercices. Calculer la vitesse de la réaction à l'instant t égale à 0 et à l'instant t égale 3 minutes. Et conclure. Donc, à partir des résultats qu'on obtient ici, donc on peut conclure quelque chose. Sixième question. Déterminer la valeur des temps de demi-réaction, t1/2. Et la dernière question, calculer en fin de réaction la concentration de l'ion oxonium H3+. Les données, on a la masse molaire du magnésium, 24,3 grammes par mol, et le volume molaire à 25 degrés Celsius, ou 24 litres par mol. Voilà, alors on passe directement à la correction de l'exercice. Voilà l'énoncé de l'exercice. Donc la question 1, c'est écrire l'équation de la réaction entre le magnésium Mg et l'ion oxonium. Alors, ركز معايا هنايا نشوفوا كيفاش نكتبوا la réaction d'oxydoréduction à partir de واحد l'énoncé d'exercice à partir de la les données. Donc, l'équation de la réaction. Donc, pour écrire une équation d'oxydoréduction, il faut toujours passer par les demi-équations électroniques. Attention, ما تحاولش تكتب directement les réactifs في جهة ou directement تعطي les produits في جهة وكتحاول توازن المعادلة. Équation. هنا غادي تطيح في واحد المشكل كبير غادي تصعب عليك القضية. Donc, une équation d'oxydoréduction, باش نكتبوها, il faut toujours passer par les deux demi-équations électroniques. Donc, les deux demi-équations électroniques. Donc, عندنا في l'exercice le premier couple, il y a Mg2 plus Mg. Donc, غادي نكتبو demi-équation الخاصة بهذه l'équation. بهذا الكوبل, pardon. Donc, pour l'écrire, il faut respecter les cinq étapes suivantes. Donc, attention à les étapes. Première étape, on part de les critères suivants. Réactif et donc produit. Il y a un écran qui est réactif à gauche et le produit à droite. Agent pour le couple. Donc, le couple, donc, il y a un réactif à gauche ou le produit à droite. Donc, la question qu'on doit se poser, quel est le réactif de ce couple? Est-ce que c'est Mg de plus ou bien Mg? Donc, Mnjibouha de la donnée, l'énoncé. Donc, on va les énoncer pour déterminer quel est le réactif. Est-ce que c'est Mg ou bien Mg de plus? Donc, vous voyez ici dans l'énoncé, on a une solution d'acide chlorhydrique et on met dedans une masse de magnésium. C'est-à-dire, ici, on fait une réaction entre l'acide chlorhydrique et le magnésium. Donc le magnésium joue le rôle d'un réactif. Ou bien vous pouvez aussi déduire que Mg c'est le réactif à partir de cette. Ici, on a dit la question. Écrire l'équation de la réaction entre le magnésium et l'ion H3+. Donc Mg c'est le réactif. Donc Mg est le réactif. Donc on va l'écrire à gauche
et le mg de plus à droite. On a donné l'étape l'oula, l'étape tania. On équilibre tous les éléments autres qu'oxygène et hydrogène. C'est-à-dire on va équilibrer tous les atomes sauf oxygène et hydrogène. Quels sont ces atomes? Ici sont le mg, le magnésium. Combien d'atomes qu'on a ici? On a sur l'atome. Et à droite, on a obtenu l'atome de mg. Attention ici, mg de plus, on a deux atomes de mg. De plus, c'est la charge. On a un atome de magnésium qui a perdu deux électrons. Yani un atome de magnésium qui a perdu deux électrons. Donc on a atome, donc l'élément magnésium est conservé. Étape 3, on équilibre l'oxygène avec des molécules d'eau. Dans cette équation, on n'a pas d'oxygène, donc on passe directement au quatrième étape. On équilibre l'hydrogène avec H+. Donc aussi, on n'a pas d'hydrogène dans cette équation, on passe directement au cinquième étape. On équilibre les charges avec les électrons. La méthode, on ajoute les électrons dans le côté où on a un excès de charge positive. Donc, pour savoir où on a mis l'électronètre, on va savoir la place où l'excès de charge positive. Donc, on va compter tout d'abord les charges dans les deux côtés. À gauche, on a la charge égale à 0, pas de charge. À droite, on a deux charges positives. Donc, où se trouve l'excès de charge positive? Se trouve à droite, ici. Donc, ici, on doit ajouter des électrons. Je vais regarder un défaut des électrons. Donc, attention, les électrons, il y a un défaut des électrons, il y a un défaut des charges négatives. Donc, combien de charges négatives, c'est-à-dire combien d'électrons qu'on doit ajouter pour avoir l'équilibre des charges? Très bien, donc on va y ajouter deux électrons. Donc, il y a deux équations qui correspond à le premier couple. Donc, on passe au deuxième couple, H3 plus H2. Donc, on va aussi appliquer ces cinq étapes. La question ici, quel est le réactif dans ce couple? Donc, d'après l'énoncé, H3 plus c'est le réactif. Ou bien, si vous connaissez le réactif dans le premier couple, vous pouvez facilement déterminer le réactif dans le deuxième couple. Ici, on a déjà dit que le Mg, c'est le réactif. Et puisqu'il joue le rôle d'un réducteur dans ce couple, alors il va réagir avec l'oxydant de l'autre couple. Donc, c'est-à-dire H3+, qui alors automatiquement doit être jouer le rôle de réactif. Donc, on va écrire le réactif à gauche et le produit à droite. Première étape. Deuxième étape, on équilibre tous les éléments autres qu'oxygène et hydrogène. Donc ici, quels sont les éléments autres qu'hydrogène et oxygène? On n'a pas. Donc, on passe directement aux troisième étape. On équilibre l'élément oxygène avec des molécules d'eau. Donc ici, on a à gauche, on a un seul atome d'oxygène. Donc ici, on n'a pas d'oxygène, alors on va ajouter une molécule d'eau à droite, pardon. Quatrième étape, on équilibre l'hydrogène avec H+. À gauche, on a trois atomes d'hydrogène. À droite, on a quatre atomes d'hydrogène. Donc, on a besoin d'un atome d'hydrogène à gauche. Donc, on ajoute un H+. Dernière étape, on équilibre les charges avec les électrons. On les ajoute dans le côté où on a un excès de charge positive. Donc, on va compter les charges dans les deux côtés. À gauche, on a deux charges positives. Ici, une charge positive. Ici, une charge positive. Alors, deux charges positives. Et à droite, on a la charge égale à zéro. On n'a pas de charge. Donc, où se trouve l'excès de charge positive? Se trouve à gauche. Combien on ajoute des électrons pour avoir l'équilibre des charges? Donc, très bien, deux électrons. Attention, faites le type de l'équation. Attention, faites l'équation. Faites le type. L'effet qui confie à H+. Et H3 plus en même temps, la même équation. Donc, la même équation. Il a traité H plus, mais H3 plus, il faut débarrasser de l'un, c'est-à-dire convertir l'un à l'autre. C'est-à-dire soit de H plus H3 plus ou H3 plus H plus. Mais il y a un objet de la même équation, puisque on a un. H plus, il y a un H3 plus. Il y a une molécule d'eau. Donc, H3 plus, c'est quoi? C'est H plus plus une molécule d'eau. Donc, mais يمكنش تخليهم بجوج هنا لان الا خليتيهم بجوج بحال كتقول لينا راه كاينين دو زيليمون يعني ما درتيش واحد السامبليفيكاسيون بحال كتقول كاين دو زيليمون دونك بويسكو ما اليمون واحد دونك il faut convertir l'un à l'autre la plupart des cas كنرجعوا H+ هو اللي كنرجعوا H3+ باش كنرجعوا H3+ on ajoute à H+ un H2O باش كيولي H3+ شحال ما عندك ديال H+ في ليكواسيون زيد لي موليكيل دو ولكن من غادي نزيدو دي موليكيل دو دونك لوسكو ناجوت دي موليكيل دو
il faut conserver l'équation, c'est-à-dire on ne doit pas modifier l'équation. Donc il reste na H2O à la gauche, alors on va ajouter à la droite, بحال ما درنا والو. Donc combien de H+ qu'on a? On a un seul ion de H+, donc il faut ajouter un H2O à gauche, et pour ne pas modifier l'équation, on ajoute H2O à droite. Ce H2O avec H+, il donne H3+. وهذا H3+ مع هذا H3+ اللي ديجا عندنا هنا غادي تولي لنا 2H3+ بليس 2 الكترون كتعطينا H2 وهذا H2O بليس H2O كتعطينا 2H2O دونك هادي هي دومي ايكواسيون دوزيام دومي ايكواسيون كوريسبون هاد لو كوبل دونك اتونسيون نذكر بان في ليكواسيون الا لقيتي H+ حداها H3+ راه خصك تكونفيرتي H+ اون H3+ لانهما ميم اليمون فوالا دونك اونيت اريفي مانتونون à l'équation totale, c'est l'équation de chercher, c'est l'équation d'oxydoréduction. Donc il faut regrouper les deux demi-équations. Donc on va prendre la demi-équation, la première demi-équation et la deuxième. Donc avant de les ajouter, donc pardon, le combiner, il faut avoir le même nombre d'électrons dans les deux équations. Ici on a deux électrons, donc je mets directement donc les réactifs avec les réactifs, les produits avec les produits. Donc l'équation à la fin, il y a 2H3+, les GM nana, plus Mg, le deuxième. Les électrons manquent de vous, on va la débarrasser, les nanites Tesla. Les produits en H2, ou Mg de plus, et 2H2O. Voilà, ça c'est la première question. Alors on passe à la deuxième question. Donc d'abord, on a la deuxième question. Donc, première question, déjà je finis l'équation de la réaction. Deuxième question, si compléter le tableau précédent avec l'avancement x de la réaction. On a la ligne, les valeurs de l'avancement à des instants différents. Donc on a هي هذيك لا ميثود اللي كنقول لكم باردون هذيك لا كيستيون ضروري غادي تجي في ليكزيرسيس اللي هي غادي يحاولوا يطلبوا منك تربط لافونسمون دو رياكسيون مع الكروندور ميزيرابل دونك كروندور ميزيرابل هنا هو الفوليوم ديال الغاز وغادي تربطوا مع لافونسمون اكس باش غادي تتمكن تحسب لي فالور دو اكس اشاك انستو اي بور فيغ سولا il faut passer directement par le tableau d'avancement دونك غادي نحاولوا نديروا لو tableau d'avancement. Donc le tableau d'avancement le plus simple possible, huwahada, donc a déconfier l'équation de la réaction, qui est déjà démontrée dans la question précédente. Ou fiha trois états, l'état initial t égale à 0, en cours de réaction l'instant t, ou l'état final t final. Donc on hawlu fhad l'année, inshallah, l'année dernière, qu'on a kanktubu hna OI, OC, EF, yani les états final, etc. هنا في هاد لاني ان شاء الله نحاولوا نبسطوا الامور نخدموا بلي زانستون بلو طون يعني لي تاينيسيال نكتبوا تي كالا زيرو تي تي فينا هذا لو تابلو لو بلي سامبل بوسيبل ما فيش هذوك التفاصيل بزاف وحتى هذا مقبول في لي زيكزامان مقبول عند الاساتذه الا كنت يعني راك ضابط هذاك الشكل العام ديالو كاع التفاصيل اللي بغيتي تزيدهم سي ميو اما الا بغيتي تختصر لو تابلو دافونس هذا كافي دونك دابا on va remplir le tableau d'avancement. Donc, pour remplir le tableau d'avancement, on a des quantités de matière initiale des réactifs. Donc, on va demander Njibouha, mais l'énoncé. Donc, on va commencer par le réactif, le Mg. Donc, Nisbel Mg, le magnésium, on a la masse, l'énoncé. Donc, on va utiliser la relation, la masse sur la masse molaire. Donc, on a un résultat 0,0411 mol. Le deuxième réactif, c'est H3+, c'est un ion, donc on va la quantité demandée de l'eau, mais la concentration. Concentration de la solution. Donc, C fois V, donc le volume de la solution est 60 ml, la concentration c'est 5, donc application numérique c'est 0,30 mol. Attention à la remarque, la quantité de matière de H3+, normalement c'est la concentration de H3+, fois le volume. Je vais dire qu'on a la concentration de la solution, Mninjay. كان اخذوا كونستراسيون ديال لايون H3+ وكونستراسيون ديال لايون كنشوفوا في لا سوليسيون منين جاي هذا هو لا سوليسيون منين جاي كنشوفوا الكوفيسيون اللي حدا هنا كوفيسيون سي 1 دونك الكونستراسيون ديال H3+ هو 1 فوا سي سيبوزون باغ اكزومبل كان عندنا هنا 2 في هاد الفورمي ديال لا سوليسيون دونك لا كونستراسيون ديال H3+ في هاد الحاله غادي يكون 2 فوا سي دونك هنا خدينا السي فقط علاش لان قلنا الكوفيسيون هنا راه هو 1
دونك 1 فوا سي قال سي فوا في. ما كنهضروش على هاد الكوفيسيون اللي حداه في ليكواسيون اللي دخل فيها مع لو ماغنيزيوم، حنا كنهضروا على الكوفيسيون اللي حداه في الفورميل ديال لا سوليسيون منين جا، منين جا اشتروبليس جا لنا من هاد لا سوليسيون. دونك الكوفيسيون اللي حداه هنا هو باغ اكزومبل هنا 1، دونك الكونسونتراسيون ديال اشتروبليس الور هو 1 فوا سي، دونك سي فوا في، دونك يعطينا 0.30 مول. دونك اون فا انجيكتي هاد لي دو فالور في لو تابلو، 0.30 بور اشتروبليس et 00411 pour Mg. Mais sur les produits, donc à l'instant t égale à 0, on n'a pas de produit, pas encore, la réaction n'est pas encore déroulée, donc on est 0,0, ou l'eau, là on est excès. Là on est excès dans l'état initial, à l'instant t, ou à l'état final. Donc, à l'instant t pour H3+, c'est la quantité qui est en train de se passer, c'est la quantité X. Mais on tient compte de le coefficient qu'on a là, donc moins 2X. حتى هاد لا كونتيتي غتنقص بنفس الكميه اكس، ولكن غناخدو بعين الاعتبار هاد الكوفيسيون اللي هو 1، دونك 1 فوا اكس. دونك هاديك لا كونتيتي اللي نقصت من هنا اللي هي اكس الفا اباريتر دون لي برودوي، دونك هنا غيتبان لينا اكس، حتى هي ناخدو اون كونت ديال الكوفيسيون، دونك 1 فوا اكس، دونك 1 فوا اكس اكس، وحتى هنا عندنا 1، 1 فوا اكس غيعطينا هنا اكس. دونك ليطا فينال ما غادي تختلف على ليطا à l'instant t que par l'avancement. Ici, l'avancement devient maximal. X max, X max, X max, X max. Voilà, ça c'est le tableau d'avancement. Moi, je vais la question là, mais c'est pas qu'il y a un fait que l'outil va dire à nous. Et qui te l'a qu'on a les valeurs de X à l'instant, à chaque instant. Donc, on a que la relation entre l'avancement et le volume. Voilà, on a le tableau. Donc, puisque le volume misérable ici هو le volume ديال الغاز، الغاز هنا هو H2، donc la case اللي غادي تهمنا في لو طابلو هي la case ديال هاد لو غاز في لانستون تي، يعني هاد la case اللي عندنا هنا، هاد la case، هاد la case اللي عندنا هنا هي اللي غادي تهمنا. donc à quoi représente cette case؟ donc هاد la case il représente la quantité de matière de H2 à l'instant T. Donc, c'est-à-dire que NH2 égale à X. On a deux tableaux, NH2 égale à X. Or, on sait que NH2 égale volume du gaz sur le volume molaire. Puisque c'est un gaz, donc la quantité de matière du gaz est donnée par la formule volume du gaz sur le volume molaire. D'où, on obtient X égale volume du gaz sur le volume molaire. Donc, vous voyez, on a la relation entre l'avancement et la grandeur misérable, qui est le volume du gaz. Donc d'abord, il y a très plus simple de ajouter la ligne X. Attention, on a fait l'unité, donc on a fait X par millimol. Donc normalement, l'unité internationale est le mol, il y a le volume du gaz, on a fait le litre, volume molaire constant 24, on a les valeurs de X par mol. ولكن غادي يكونوا فيهم 10 ناقص 3 10 ناقص 3 دونك بور فاسيليتي لي كالكيل نخليو الفوليوم بالمليلتر وباش يعطينا الفالور دو اكس بالمليمول دونك نخليوهم هنا بالمليمول دونك غادي نحصلوا على هاد لي فالور هادي 0 13 اكسيتيرا جيسكا 41 فوالا دونك هذا بور لا دوزيام كيستيون ثوازيام كيستيون سي تراسي لا كورب اكس اون فونكسيون دو تي دونك هاد لي فالور غادي نترجموهم لا كورب غادي نحصلوا على لا كورب دو سيت فورم اكس بالمليمول وتيراهم هنا بالمينيت فوالا هذا لا فورم دو لا كور كتلاحظوا بان لافونسمون اكس يل اوغمونتي لوغمونت جيسكا يل اريف ا سا فالور ماكسيمال اللي هي ا بوبري 41.12 فالور فينال فوالا دونك اون باس ا لا كاتريام كيستيون دونك كاتريام كيستيون سي ميزيري لافونسمون فينال اكس فينال اي مونتري كو لا رياكسيون اي توتال قلنا هاد لا رياكسيون اي توتال قلنا نقدر نبينوها من هاد لا فراز بويسك عندنا كومبليت ديسبايسيون كومبليت ديال رياكتيف ولكن قلنا اون فا ابوردي اون دوزيام ميثود هي كي كونسيست ا كومباري لافونسمون فينال اكسبيريمونتال افيك لافونسمون فينال تيوريك دونك اون فا تو دابور ميزيري لافونسمون فينال اكسبيريمونتال اللي هو اكس فينال دونك هذا غيعتمد على لي ريزولتا اكسبيريمونتال pardon expérimentaux. Donc les résultats expérimentaux, on a un 9 tableau. Là, on a les valeurs de x, il augmente, il augmente. Les valeurs de x, on a les résultats expérimentaux.
دونك كتلاحظوا بان لا فالور اكس فينال اكس لا فان دو اكسيون اللي كتوصل في لافان هي 41.2 ما كتبدلش دونك هذه هي لا فالور فينال دونك ابارتي دي هاد لو تابلو اكس فينال سي 41.12 مينيمول دابا خصنا لا فالور فينال تيوريك لافونسمون فينال تيوريك اللي هو اكس ماكس دونك هاد اكس ماكس تيوريك كنجيبوه من لو تابلو دافونسمون il suffit de connaître seulement les quantités de matière initiale ديال لي رياكتيف وقدر نعرفوا اكس ماكس بلا ما نديروا ليكسبيريونس يعني نعرفوا شحال غادي نستعملوا ديال لي رياكتيف وقدر نتوقعوا دونك اون با بريدير لا فالور دو لافونسمون ماكسيمال لا فان دو لا رياكسيون دونك نعتمدوا على لو طابلو دافونسمون لا ميثود اللي كنعتمدوا على الطابلو دافونسمون على حسب دونك كاين لا ميثود المختصره هي كناخذوا كنحسبوا ان اكس ماكس 1 هي هي لا كونتيتي دو ماتيير دو بروميير رياكتيف سيغ لو كوفيسيون ستيكيومتريك 2 دونك 0.3 سيغ 2 اللي عطاتنا هنا 0.15 مول او بيان 150 ملي مول و اون فا ميزيغي اوسي ان اكس ماكس 2 كي ايغال لا كونتيتي دو ماتيير دي دوزيام رياكتيف سيغ لو كوفيسيون ديريكتور كوفيسيون باردون ستيكيومتريك 1 دونك عطاتنا 0.0411 مول اللي هي 41.1 ملي مول Donc l'avancement maximal alors, c'est la valeur la plus petite de ces deux valeurs. Donc puisqu'on a x max 2, c'est la plus petite, alors la valeur x max, c'est 41.1 millimol. Donc maintenant, la valeur théorique, c'est 41.1 millimol, et la valeur expérimentale, c'est 41.12 millimol. Donc les deux valeurs sont égaux, alors on peut dire que notre réaction est totale. Ça, c'est la méthode. Donc, la méthode pour dire qu'une réaction est totale, il faut comparer la valeur de l'avancement final théorique avec la valeur de l'avancement final expérimental. Voilà, donc, Ada, pour la question 4. Et then, on a la question numéro 5. La question numéro 5, c'est de calculer la vitesse de la réaction à l'instant t égale à 0 et à l'instant t égale à 3 minutes conclue. Donc pour calculer la vitesse de la réaction, donc on applique la définition de la vitesse. Donc la vitesse égale 1 sur V, d de x sur d de t. Donc grand V représente le volume des mélanges réactionnels et d de x sur dt représente le coefficient directeur de la tangente à la courbe x en fonction de t à l'instant t. Donc on va commencer par calculer la vitesse à l'instant t égale à 0. Donc, on a besoin de ce coefficient directeur de la tangente. On va tracer la tangente à l'instant t égale à 0. Ça, c'est la tangente. Alors, pour calculer le coefficient directeur d'une droite, il faut choisir deux points. Donc, on va choisir le premier point dans cette tangente, c'est le point l'origine, c'est 0, 0. Et un deuxième point, par exemple, d'ordonnée 35 et d'abscisse 1 minute. Alors, d'après la relation de la vitesse, donc la vitesse à l'instant t égale à 0, si 1 sur le volume, c'est 60, 10 à la puissance moins 3, fois le coefficient directeur, donc l'ordonnée deuxième point, moins l'ordonnée du premier point, donc on va la multiplier par 10 à la puissance moins 3, puisqu'ici les valeurs sont en millimoles, on va la convertir en mol. Sur le temps, l'abscisse correspond à 35, c'est 3. Donc l'abscisse correspond à 35, c'est 3. Ici, c'est 3, pardon, c'est 1. Donc on va corriger ça. Donc c'est 1, c'est pas 3. Moins l'abscisse correspond à l'origine, c'est 0. Donc la vitesse à l'instant t égale 0, donc cette valeur est fausse, puisque ici on doit avoir 1, mais c'est à peu près au voisinage de, donc à l'ordre de 10 à la puissance moins 3, mol, lettre moins 1, seconde moins 1. Donc de la même manière, on calcule la vitesse à l'instant t égale à 3 minutes, donc on va tracer la tangente à l'instant t égale à 3 minutes, donc ça c'est la tangente qui correspond au point d'abscisse 3 minutes. Donc on va choisir deux points pour calculer le coefficient directeur. Le premier point,
c'est le même qu'on a ici. Donc, c'est le point d'abscisse 3. Le deuxième point, on peut choisir celui-là. Donc, d'ordonnée 40 et d'abscisse, par exemple, 5. Donc, calcul de la vitesse. Insère 70 à puissance moins 3. 40, c'est l'ordonnée de ce point. Moins 29,37, c'est l'ordonnée de ce point. C'est la différence des abscisses. L'abscisse du premier point, c'est 5. La deuxième, c'est moins, c'est 3. Donc, on va la convertir en secondes. Donc, c'est-à-dire qu'on va multiplier par 60. Donc, résultat, c'est 1,48 10 à la puissance moins 3 moins lettre moins 1 seconde moins 1. Donc, on va conclure maintenant. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, on remarque qu'on a une diminution de la vitesse de la réaction. Donc, il dit au quoi cette diminution? Il dit à la consommation des réactifs pendant la réaction. Donc, pendant la réaction, les réactifs se consomment, c'est-à-dire cette quantité de matière diminue. Et c'est donc c'est-à-dire que leur concentration aussi diminue. Et aussi on sait d'après le premier chapitre que la concentration des réactifs c'est un facteur cinétique. C'est-à-dire il influe sur la vitesse de la réaction. S'il diminue, alors il dit donc s'il diminue, donc la vitesse de l'action aussi diminue. Donc cette diminution est due à la diminution de la concentration à cause de la consommation des réactifs pendant la réaction. Ici, on veut donner par exemple une explication microscopique. On dit que pendant la réaction, les réactifs se consomment, alors leur quantité de matière diminue, c'est-à-dire le nombre de chocs efficaces diminue, ce qui entraîne une diminution de la vitesse. Voilà, donc on peut par exemple écrire cette conclusion. Au cours du temps, les réactifs disparaissent, donc leur concentration diminue. Plus la concentration des réactifs est faible, plus la réaction est lente. Donc en général, au cours du temps, la vitesse de réaction diminue. Donc ça, c'est pour la cinquième question. La question numéro 6, déterminer la valeur du temps de mes réactions T1/2. Donc pour la déterminer, il faut passer par la définition. C'est quoi le temps de mes réactions? C'est le temps nécessaire pour que l'avancement de l'action atteigne la moitié de sa valeur finale. Donc, c'est-à-dire l'avancement à cet instant égale l'avancement final sur 2. Donc, tout d'abord, on calcule l'avancement à cet instant. Donc, on a x final égale 41,1 mm. Alors, x t 1 demi égale x final sur 2, donc égale 20,55 mm. Donc, à partir de la courbe, l'abscisse correspond à l'ordonnée 20,55, c'est à peu près 1,8 minutes. Voilà, ça c'est la, pardon, c'est la question numéro 6. On arrive maintenant à la dernière question. La question 7, c'est calculer en fin de réaction la concentration d'un ion H3+. Donc on sait que la concentration d'un ion égale la quantité de matière de l'ion sur le volume de la solution. Donc, il nous a demandé de calculer la concentration à la fin de la réaction. Donc, la quantité de matière, c'est la quantité finale de H3P sur le volume. Donc, de la quantité, donc, d'après le tableau d'avancement. Donc, tableau d'avancement, la quantité de matière de H3P à l'état final, c'est 0,3 moins 2x max, c'est cette valeur. Alors, la concentration de H3+, alors, égale 0,30 moins 2x max sur V. On a déjà la valeur de x max, application numérique. Donc, on arrive à H3+ égale 3,63 mol par litre. Voilà, la concentration de H3+ initiale, c'est 5, mais à la fin de la réaction, il devient 3,63. C'est normal, puisqu'on a une réaction, donc les réactifs se consomment. Et ces concentrations diminuent. Donc, on a dit que cette diminution de concentration, c'est la cause que la vitesse de la réaction a diminué. Voilà, c'est la fin de l'exercice.
Et merci, choukran, à la mutabaa, wa ila tmenin tani, inshallah, fi al-video al-muqbil.